tous. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur le nom hébraïque de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude de notre nom de Dieu, Jéhovah Jireh, qui veut dire le Dieu qui pourvoit. Nous allons lire Genèse 22, versets 7 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Nous connaissons le contexte de ce passage. C'est celui de la mise en épreuve d'Abraham par Dieu. Cette mise en épreuve intervient après la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Dieu demande à Abraham de lui sacrifier ses fils même. C'était une équation difficile à résoudre, dans la mesure où ce même Dieu avait promis une postérité à Abraham. Cette postérité devrait venir du fils tant attendu pendant 25 ans. Ses fils, c'était Isaac. Et le texte précise les particularités de cet enfant qu'Abraham devrait offrir. Il était le fils. On voit bien que celui qui était supposé être l'héritier. Il était unique. Dieu dit: donne-moi ton fils, ton unique. Ce fils qu'Abraham attendait et qu'il a eu pendant sa vieillesse, c'est le seul fils que sa femme Sarah lui a donné. Ce fils, c'est ce fils qu'Abraham aimait. Dieu était conscient de l'amour qui liait Abraham à son fils Isaac. Il n'est pas facile de donner quelque chose d'unique, quelque chose que l'on aime. Et puis le nom du fils est précisé, Isaac. La précision est de taille pour éviter toute confusion avec Ismaël, qui était né de l'union entre Abraham et sa servante Agar. C'est un tel enfant que Dieu demande à Abraham. C'était pour le mettre à l'épreuve. Et pendant qu'Abraham était avec son fils, il demande à son fils d'aller offrir le sacrifice. Son fils lui pose la question. D'habitude, quand nous allons offrir le sacrifice, il y a le feu, il y a le bois, mais il y a aussi l'agneau pour l'holocauste. Mais je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham va dire: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est-à-dire, il fait allusion au nom de Dieu, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est ce Dieu qui pourvoit à tes besoins. Il pourvoit à ton habillement. Il pourvoit à ta nourriture. Il pourvoit à ton voyage. Il pourvoit au paiement des frais de scolarité de tes enfants. Il pourvoit aux frais de paiement, aux frais de loyer, aux frais de l'électricité. C'est ce Dieu-là. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Lorsque tu le connais, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne dois pas être inquiet parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui pourvoira. Abraham connaissait ce Dieu-là. Il dit: à la montagne, Dieu lui-même se pourvoira.
Ce nom de Dieu est important aujourd'hui pour la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui se posent cette question. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Jésus va dire à ses disciples, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais vous, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Vous avez un Dieu qui pourvoit. Je parle à quelqu'un. Pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que tu as une dette à payer. Ça fait plus de 4 mois de loyer impayé. Et tu te fais de la peine. Tu te dis, comment est-ce que je vais payer? Parce que j'ai perdu mon emploi. Je n'ai personne. Je n'ai pas quelqu'un dans la famille. Je n'ai pas quelqu'un qui est hautement placé. Mais j'aimerais te dire que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Si tu places ta confiance en Jéhovah Jireh, il va opérer un miracle. Il va pouvoir. Lorsqu'Abraham allait pour offrir son fils Isaac, il ne savait pas ce qu'il attendait à la montagne, mais il avait confiance que ce Dieu-là s'appelle Jéhovah Jireh. Et lorsqu'Abraham a pris les couteaux, lorsqu'il voulait égorger son fils Isaac, à ce moment-là, Dieu lui dit, arrête, n'égorge pas ton fils. C'est maintenant que je sais que tu me crains. Et Dieu lui a demandé d'ouvrir les yeux. Il a vu un bélier. Lorsque tu places ta confiance en Jéhovah Jireh, il pourvoit de manière inattendue, de manière surnaturelle. Je vais dire à quelqu'un, il y a déjà un bélier que le Seigneur a réservé pour toi. Il y a déjà une maison que le Seigneur a réservée pour toi. Toi qui viens de finir tes études, tu viens de finir ton BTS, tu viens de finir ta licence, tu viens de finir ton master. Tu te dis, mais comment je vais faire? Comment est-ce que je vais me marier? Je n'ai pas encore du travail. Oui, Jéhovah Jireh pourvoira. Fais les premiers pas. Fais-lui confiance. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il ne pourvoit pas selon ton salaire. Il ne pourvoit pas selon le salaire de ton mari. Il ne pourvoit pas selon le salaire de ta femme. Mais il pourvoit selon sa richesse. C'est ce qu'il va dire dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Jéhovah Jireh, c'est un Dieu à qui appartiennent toutes les choses. L'or lui appartient, l'argent lui appartient. Il va pourvoir à tes besoins. Je veux parler à une jeune fille. Tu es maîtresse d'un monsieur. Oui, ce monsieur paye ta maison. Ce monsieur a mis une voiture à ta disposition. Tu te dis que si tu abandonnes ce monsieur-là, tu ne sauras pas payer une maison, tu ne sauras pas payer tes produits pharmaceutiques parce qu'on t'a déclaré hypertendu et tu dois chaque année, tu dois chaque mois prendre des produits pharmaceutiques qui coûtent plus de 20, plus de 30 000 francs. Laisse-moi te dire, la position dans laquelle tu es n'est pas bonne. Le Seigneur me charge de te dire, quitte cette position de maîtresse. Le Seigneur est capable de te donner un mari. Jéhovah Jireh est capable de pourvoir à tes besoins. Il est capable de pourvoir, oui, à ta maison. Il est capable de pourvoir à ton habillement. Oui, abandonne cet homme-là. Ce n'est pas ton mari. Oui, et si tu abandonnes pour honorer le Seigneur, tu vas voir Jéhovah Jireh. Il va pourvoir à tes besoins. Abraham a obéi. Oui, l'obéissance est importante pour que le Seigneur Jéhovah Jireh manifeste sa puissance, sa présence dans votre vie. Mais très souvent, nous vivons dans la désobéissance. Je dis à quelqu'un, lorsque tu vis dans la désobéissance, Jéhovah Jireh ne peut pas pourvoir à tes besoins. Fais-lui confiance et il va pourvoir à tes besoins. Abraham a réuni ces deux conditions. Il était un homme de foi. Et puis il a démontré son obéissance en acceptant d'offrir son fils unique. Vous voyez, pour que Jéhovah Jireh puisse agir dans ta vie, puisse pourvoir tes besoins, il faut ces deux conditions. Il faut la foi, il faut l'obéissance. Il faut mettre ta foi en action. Comment la promesse d'une postérité nombreuse allait-elle s'accomplir alors que les filles de la promesse allaient mourir par ses sacrifices? L'épître aux Hébreux donne une réponse à cette interrogation. Dans Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection
Que le nom du Seigneur soit béni. Jéhovah Jireh mérite la louange, mérite l'honneur. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Alléluia, alléluia, il est digne de louange. Élève ta voix, bénis son Saint-Nom. La force dans la prière.
Amen. Nous sommes à notre émission de prières matinales OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Je voudrais saluer tous ceux qui suivent OSB. Oui, dans la Côte d'Ivoire profonde, et particulièrement dans les villes de Boaké, dans les villes de Kachola, dans les villes de Man, dans les villes de Logwalé, dans les villes de Bangolo, ceux qui suivent OSB à Yamoussoukro, à Boaflé, ceux qui suivent OSB à Boaké, à Thiébissou, à Abengourou, partout où vous êtes, à Niblekro, que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas ceux qui suivent OSB, oui, en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Canada. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous rappeler que OSB est diffusé désormais sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube et chaque 5 heures temps universel, vous pouvez prier avec OSB. Vous pouvez même donner vos sujets de prière par chat. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Nous poursuivons notre étude sur les noms de Dieu. Aujourd'hui, nous étudions les noms de Dieu. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et les passages de base, c'est Genèse 22, 7 à 8 et 13 à 14. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il pourvoie aux besoins de tous ceux qui ont abandonné le monde. Ils ont décidé d'abandonner la vie de brouteur. Ils ont décidé d'abandonner la drogue. Ils ont décidé d'abandonner la prostitution. Et ils ont fait confiance en lui. Ils ont fait confiance en Jésus. Prions pour que Jéhovah Jireh pourvoie à leurs besoins. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, ton nom est Jéhovah Jireh, ton nom est le Dieu qui pourvoit, ton nom est le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, ton nom est le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Quand tu dis, la chose arrive, quand tu ordonnes, ce qui n'existe pas vient à l'existence. Tu es le Dieu des cas impossibles. Beaucoup ont cru en toi. Ils ont abandonné le broutage. Ils ont abandonné l'infidélité. Ils ont abandonné toute forme de sexualité. Ils ont abandonné leur second bureau, leur maîtresse, leurs copains et copines, leurs gris-gris, leurs fétiches, leurs idoles. Et ils ont cru en toi. C'est pour cela que je veux te dire merci. Parce que c'est toi qui les as appelés dans ta lumière. Tu les as ôtés des ténèbres. Et tu leur as montré que tu es un Dieu d'amour. Que tu es un Dieu qui pourvoit. Que tu es un Dieu qui peut les orienter. Les bénir au-delà de leur espérance. Merci de les aider et de les maintenir dans la foi chrétienne. Donne à toutes ces personnes qui ont cru, qui croient en toi et qui ont abandonné ce monde, qui ont abandonné un péché, qui ont abandonné une affaire négative, une chose qui les maintenait captives pour se diriger vers ta parole, pour se confier en toi, esprit, âme et corps. Alors, le Dieu qui agit, le Dieu Jéhovah Jireh, continue de manifester ta gloire, continue de pouvoir dans leur vie, afin qu'ils s'attachent et qu'ils croient que tu es le Dieu qui bénit. Merci Seigneur de nous aider, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il y a deux conditions importantes pour expérimenter la réalité du nom de Dieu, Jéhovah Jireh. Il faut être un homme, une femme de foi, et il faut être un homme, une femme obéissante. Chacun va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à être un homme de foi, comme l'a fait Abraham. Aide-moi à obéir à tes commandements. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche.
Gloire à toi ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Protecteur, notre Pourvoyeur, notre Goël, celui qui dit et la chose arrive. À toi la gloire, parce que tu suscites parmi tes enfants des hommes de foi et des hommes et des femmes qui obéissent à ta parole, qui Amen. Obéissent à ton esprit, Amen. Qui obéissent à ce que tu dis, et c'est ce que tu veux au milieu de tes enfants. Notre vœu, notre souhait, c'est d'avoir la foi à ce que tu dis, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous voulons que des hommes de foi soient suscités dans nos familles, soit suscité dans nos églises, soit suscité dans nos ministères, soit suscité dans ce pays, des hommes qui obéissent, qui se soumettent à ce que tu dis. Amen. C'est difficile, Seigneur, mais tout est possible. Et nous sommes appelés à relever des défis parce que nous avons la foi. Nous devons obéir parce que de ta parole sortent des choses importantes qui nous fortifie, qui nous ragardit, qui nous requinque, qui nous remonte. Nous te prions pour tes enfants qui ont peur, que l'esprit de foi soit suscité en eux, que l'esprit d'obéissance soit suscité en eux, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier pour que Jéhovah Jireh pourvoie nos besoins. Tu as peut-être un besoin. Ça peut être un besoin d'une bourse, ça peut être un besoin de travail, ça peut être un besoin d'admission à un concours, un besoin pour payer des vacances de tes enfants, de ta famille, un besoin peut-être d'acheter un terrain, de construire une maison. Tu veux t'engager dans une opération immobilière et tu dis « je n'ai pas assez d'argent ». Jéhovah Jireh est capable d'opérer des miracles pour que tu puisses avoir de quoi t'engager. Au nom de Jésus, prions le Seigneur et proclame ce nom, Jéhovah Jireh. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Dieu fidèle, Dieu tout bon, Dieu merveilleux, le Dieu qui dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés à notre égard, il renouvelle ses compassions à notre égard, le Dieu qui nous aide, qui nous fortifie, le Dieu qui nous permet d'avancer, le Dieu qui opère des signes et des miracles et des prodiges et des merveilles dans la vie de ses enfants. Ce matin, notre foi n'est pas en défaillance, notre foi n'est pas dans le doute, ni dans l'incrédulité. Nous croyons que le nom que tu portes, qui s'appelle Jéhovah Jireh, va pouvoir affinir notre maison au nom de Jésus. Ce terrain que nous espérons, tu vas nous le donner parce que nous crions à toi. Et tu n'es pas sourd pour entendre les cris de tes enfants. Et tu vas donner ce terrain au-delà de toute espérance à tes enfants qui espèrent avoir un terrain dans cette saison au nom de Jésus-Christ. Cette famille veut voyager pendant ses vacances. Oh mon Dieu, merci de pouvoir à leur séjour. Merci de pouvoir à tout et d'assurer leur séjour dans la sécurité, dans ta protection et dans l'assurance. Béni sois-tu, Père éternel. Cette femme veut voir son enfant voyager. Merci, Père, parce que tu assureras, oh Dieu, le visa, les séjours au nom de Jésus-Christ.
Cet enfant est dans la maladie, est alité, et ses parents espèrent en toi pour l'opération. L'argent, le Dieu qui pourvoit, manifeste sa gloire, car il s'appelle Jéhovah Jireh. Oh mon Dieu, ce matin, je relâche la puissance du nom de Jéhovah Jireh dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Merci pour les portes que tu ouvres, parce que nous croyons en ton nom, à ce nom qui est Jéhovah Jireh. Tu l'as fait pour les autres, tu le feras aussi pour nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à OSB. Si cette émission vous fait du bien, nous vous demandons de nous faire parvenir vos témoignages, soit par les médias sociaux, soit vous pouvez venir aussi à notre siège de la radio Fréquence Vie. Que Dieu bénisse cette journée et que Jéhovah Jireh puisse visiter quelqu'un qui attend un financement dans son affaire au nom de Jésus. Que ce mois soit un mois spécial, un mois de visitation, un mois de restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la Brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, si la femme pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Gloire au Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. En mai, quand nous sommes venus ici, on avait une situation financière qui était bloquée. C'était difficile. Et quand on priait, il y a un frère qui a rendu témoignage. Il a dit qu'il avait aussi une situation bloquée. Et il a fait un vœu à Dieu pour que Dieu débloque sa situation, pour qu'il vienne nous rendre témoignage encore ici. Et j'ai saisi ce témoignage-là. Quand il a dit ça, ça m'a touché. Et moi aussi, j'ai dit au Seigneur, je te fais un vœu, Seigneur, pour cette situation financière difficile que nous traversons. Et quand nous sommes partis, le Seigneur a restauré les finances. Et je suis partie honorer mon vœu à Fréquence Vie. C'est pourquoi ce matin, je viens lui dire merci. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Peu.